À 19 ans, Momo salue déjà les pros de Dijon comme des amis. Mais même s'il en rêve, il ne fait pas encore partie de leur monde. Ce matin, c'est important, il s'entraîne avec eux, en selle, avec les grands. Le plus compliqué, ça va être le premier jeu, parce que c'est un jeu assez réduit, assez restreint, et il y aura beaucoup de monde. Voilà. Donc là, il faudra vite s'organiser au niveau technique pour sortir le ballon proprement. Ok, on est parti avec Ben, c'est parti. Allez, une heure pour briller, 60 minutes pour convaincre et montrer qu'il a le niveau. D'autres seraient impressionnés, tétanisés par l'enjeu, pas Momo. C'est des grands frères et tout. Ils m'accueillent très bien à chaque fois que je suis avec eux. Ça va quoi. Ça donne envie de venir tout le temps. Revenir, confirmer et signer son premier contrat pro. C'est l'objectif de Momo, comme de tous les jeunes. Mais les statistiques sont cruelles pour les jeunes du centre. 1 sur 10 seulement devrait fouler les pelouses des plus grands stades. C'est un garçon qui s'adapte assez rapidement, qui est très ouvert, qui est très jovial. Donc ça, pour nous, ça c'est très intéressant. Après, bien sûr, c'est un garçon qui a des qualités de défenseur quand même indéniables. Et petit à petit, moi, je l'incorpore au groupe professionnel pour savoir si la saison prochaine, il viendra encore plus régulièrement. Quoi. Voilà. Mais il faut qu'il vienne le chercher. Quoi. Voilà, ça se mérite. Cette chance, Florent Mollet et Jordan Marillé ont su la saisir. Au club de Dijon depuis le plus jeune âge, ils ont intégré l'équipe première en 2012. Ça fait toujours plaisir d'être appelé par le staff pro, bah, surtout quand on est amateur. Puis, on prend du plaisir, on progresse plus vite et je pense qu'il y a une marge de progression à faire, bah, comme nous quand on est venus. Je pense que ça va bien se passer pour lui. Là, Momo, c'est vraiment un bon jeune, il a un gros potentiel et on espère qu'il signera très bientôt. Jean-Carl Tonin est le premier à avoir détecté Momo sur le continent africain. Il a le package complet, lui. Depuis 30 ans, Jean-Carl écume les stades à l'affût. En général, je me mets seul. Loin de tout pour éviter de discuter, puis je laisse faire mes yeux. À la recherche d'enfants prodiges. J'aime suivre les enfants depuis le plus jeune âge, depuis qu'ils ont 6, 7, 8 ans à peu près, dans toutes les régions de France et voir à l'étranger. Quoi. Voilà. Et puis le moment opportun, lorsqu'on juge qu'ils peuvent intégrer le club professionnel, on leur fait une proposition pour qu'ils viennent nous rejoindre. Tout simplement. On minimise la marge d'erreur, même si on se trompe régulièrement, attention. Hein. Mais on la minimise dans le respect de l'enfant et de la famille. Pour être sûr de faire le bon choix, les jeunes footballeurs repérés sont d'abord invités à venir en stage. Trois jours de tests sur le terrain et en dehors. Et comme d'habitude, Mathieu l'éducateur explique la bonne stratégie. Vous savez qu'un essai c'est court. C'est-à-dire qu'on doit essayer de vous juger sur peu de temps, même si on vous suit. Mais là, aujourd'hui, vous êtes là et il faut vous montrer. Ça veut dire que même si vous faites une erreur, il ne faut pas se prendre la tête. Allez hop, on enchaîne, deuxième ballon, troisième ballon. J'étais un peu timide au début. C'était dur. Je manquais un peu à mes parents. Je les appelais tous les jours, c'était dur. Et là, c'est bon. Je m'accroche. Je vais tout faire pour signer à Dijon. J'aimerais bien venir dans ce centre de formation. Tu as déjà fait des tests ailleurs ? À Evian, j'en ai déjà fait. Après, ça s'est bien passé, mais il y a eu quelques problèmes, donc j'ai pas pu intégrer ce centre. Et sinon, en U13, j'avais fait un match avec l'Olympique Lyonnais, mais s'il n'y a eu pas de suivi, il n'y a pas eu de suivi. Être jaugé, jugé, écarté, c'est la dure loi de la sélection. Le chemin vers le foot professionnel est long, stressant et sans garantie. Une voie qui exige en plus beaucoup de sacrifices. Allez, bonne nuit, à demain. Ouais, bonne nuit.